lycée Condé a été choisi cette année, déjà parce qu'il a été reconnu au niveau de sa démarche éco-conditionnalité comme un des lycées remarquables et remarqués en Bourgogne-Franche-Comté. Le thème choisi ici par ce lycée est celui du développement durable, de la biodiversité, et il y a toute une convergence d'actions qui vont dans ce sens et qui sont remarquables. Alors ça passe par la façon dont on gère la restauration, la façon dont on traite les produits issus de la restauration, la façon dont on sensibilise les élèves à ne pas gâcher l'alimentation et faire en sorte que, eh bien, il n'y ait pas d'énergie perdue. Aussi d'autres actions, du fleurissement qui est fait, des ruches qui sont intégrées avec de la production d'un excellent miel de tilleul. On peut voir aussi dans ce lycée beaucoup d'ouvertures sur l'extérieur, avec des ouvertures avec l'école maternelle qui est proche, avec des maisons de retraite qui sont proches, liées à leur formation de service à la personne. On peut voir aussi des partenariats avec un hôtel, puisque là, il y a tout ce qui est restauration et hôtellerie, donc où des élèves vont aller dans des sites pour réaliser leur apprentissage. Au niveau des projets, il y a les travaux d'accessibilité réservés sur un de nos bâtiments, puisque nous répondons avec l'aide de la région qui, bien sûr, nous finance la réponse obligatoire à l'accessibilité liée à la loi Monchamp, loi de 2005. Dans les projets, il y a surtout l'ouverture d'une nouvelle formation à la rentrée, qui est le CAP Crémier Fromager, qui est le seul de la région, qui ouvre en scolaire pour une douzaine d'élèves et qui, entre autres, fera de la commercialisation. C'est surtout un CAP de commercialisation en crèmerie et fromagerie et qui va pouvoir ouvrir aussi une fois par semaine à l'achat, vente pour les extérieurs, comme nos restaurants pédagogiques qui sont aussi ouverts à une population extérieure à l'établissement tous les midis et trois soirs par semaine.